Exemple concret de ce malaise au travail, des employés de la Poste ont manifesté ce matin devant leur centre de traitement du courrier à Vaise. Ils dénoncent des mutations forcées, décidées sans aucune concertation avec les quatre agents concernés. Des décisions vécues comme des pressions de la direction. Leïla Kessy a rencontré un délégué syndical ainsi que le compagnon d'une employée mutée dans un autre service. Écoutez. Et le gros problème qu'on a vis-à-vis de ce bureau, c'est qu'on ne veut pas laisser s'instaurer un principe de mutation forcée, quelles que soient les conditions contractuelles des contrats des salariés de la Poste, qui implique évidemment qu'en cas de réorganisation, il y a 30 km de mobilité obligatoire. Mais il me semble qu'avant d'en arriver là, on aurait pu proposer un plan de pré-retraite à tous les agents qui sont concernés. Ma compagne a donc eu une proposition de une mutation pour Lyon 8 qu'elle a refusée. Et en fait, elle a été menacée de licenciement si elle refusait cette mutation. Et donc, il faut savoir qu'elle est enceinte et que c'est illégal, c'est tout simplement illégal. Donc c'est aussi pour ça qu'on est tous là à manifester aujourd'hui, quoi.